the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Bon, bah, je suis partie pour une petite randonnée toute seule du coup, puisque Bastien et Kylian m'ont lâchement abandonnée. Et malheureusement je fais cette randonnée avec le mauvais temps et j'ai ressorti mon petit bandeau cache-oreille là pour pas avoir de vent dans le trou des oreilles. J'aime pas ça, ça me donne mal au crâne. Donc voilà, on va voir une petite cascade et je crois que un petit peu plus loin, il y a encore d'autres choses à voir, je sais pas, je verrai. Et c'est plutôt sympa. Il y a des petites narcisses, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les fleurs blanches. Et c'est rigolo parce que nous, par exemple, le pissenlit, ça fait plusieurs semaines que c'est fini. Et là, bah, il y en a encore à foison, quoi. Ça fait pas de mal, franchement, ça fait trop plaisir. Arrive sur un passage de forêt avec de très beaux hêtres et également des sapins. Aïe, j'ai pris une branche dans ma tête. Donc j'arrive enfin sur les rives du lac. Ah, petit passage un peu humide. Ok, chaussures trempées. Donc j'arrive enfin sur les rives du lac. Et voilà, bah, j'ai rien de plus à dire. Chaussures et mon pantalon ont pris cher, hein. Mais bon, c'est le risque du métier. J'ai un petit peu tapé la cruste avec un groupe de randonneurs. Voilà, j'ai laissé traîner mon oreille. Et du coup, il y a une dame qui expliquait que l'eau de ce petit lac, en fait, c'est l'eau qui alimente la cascade qu'on a vue tout à l'heure. Voilà pour la petite info. C'est pour les méchants. Non mais sérieux, quoi, mon pote. Tu filmes? C'est vraiment un crétin. C'est un méchant. Voilà, on s'est fait une pause. Oh, oh. Parce que madame avait mal aux genoux, oh, et aux pieds. Ne mettrai pas ça de toute façon. Oh.